Val, là, pour la reprise du thème, tu vois des danseuses orientales? Salut à tous! C'est pas naturel, mais... Oui, bah oui, non, mais c'est parce que la première était la bonne. La première était la bonne. Ouais, on l'a. Et là, j'arriverai pas à être normal. C'est bon? Ça fait super plaisir de refaire une vidéo aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu suite à ce qui se passe en ce moment. On s'est dit qu'on allait vous faire un mini concert. Donc on a décidé en fait de vous enregistrer la deuxième sonate de Miaskowski pour violoncelle et piano. L'idée c'est de faire tout d'une traite, de faire sans rebidouillage au niveau du son. Bon, le problème c'est que juste pas couper, c'est super super chaud. Et en plus de ça, comme on est que deux, c'est vrai que c'est compliqué quand t'as pas une troisième oreille pour te dire si le rendu est bon ou pas. Gros, c'est comment? C'est vrai que c'était un petit peu compliqué de se retrouver et puis d'essayer de faire de la bonne musique, de la belle musique et puis essayer de se comprendre dans les nuances. Là, la passionato, c'est normal si je joue plus fort. C'est le pianiste qui est en avant là, à ce moment. Pas du tout. On n'a pas joué ensemble depuis un an en fait. Donc dès qu'il y a un pain, malheureusement t'es obligé de recommencer et puis ça a scrapé le chignon. Dans ce projet, ce qui est moteur, évidemment, il y a les voyages et tout, mais il y a aussi la musique en fait. Elle est aussi moteur pour le duo. Pour juste deux jours, on est quand même assez satisfait, donc on espère vraiment que ça vous plaira. Bonne écoute à vous. Thank you.
Merci à tous d'avoir écouté. On se revoit très bientôt. On vous réserve pas mal de choses pour les temps qui viennent. Il n'y aura pas qu'un voyage cette année, il y aura d'autres choses. Donc, à bientôt. Tchuss. Non, on va dire à bientôt en même temps. Reviens.